Eh bien, salut tout le monde, c'est vrai que je vous le dis pour l'épisode 35 de Marvel Spider-Man 2, on s'était arrêté après avoir affronté, entre guillemets, toute la ruche, si on peut dire comme ça, même si on va encore l'affronter, et pour affronter, enfin, du moins, retrouver Venom et détruire la météorite. Entre-temps, Miles a eu sa tenue, j'ai déjà donné mon avis dessus, elle est stylée, mais je sais pas, ça, il manque un truc, je trouve, mais bon. Moi, ça fait pas très Spider-Man au niveau de son masque. Mais ça, ce n'est que mon avis. Il y a un truc qui vient sauter à la gueule. Ah. Ah, bonsoir. Spider-Man, t'es où? T'es descendu? T'avais raison. C'est sûrement ici. Il doit... Désolé, je pouvais pas. Ouais, t'inquiète. Je vais trouver un moyen d'entrer. Tout va bien se passer! Tout le monde va s'en sortir! Waouh, waouh, allez, on se calme, les enfants! Grenade! Suivant. Merci d'avoir joué. Et bon? Miles, je vois pas de cailloux. Ah bon? Attends, je suis pas loin de toi. Merci d'être venu, Pete. Nous voulons te montrer quelque chose. Qu'est-ce que tu... Nous sommes guéris. Enfin libres. Faire ce don à tout le monde. Mais nous avons besoin de toi, Pete. Pour guérir le monde. Ensemble. Hé, mec! Pas cool. Ça va, mec? Il faut qu'on appelle MJ. Je sais où est la météorite. Ok, donc à partir de là, du coup, là, ça va être la fin du jeu. Ok, c'est la dernière mission avant la fin du jeu. Donc ce que je vais faire, avant que le dialogue s'enchaîne, ce que je vais faire, c'est que je vais couper
à chaque moment pour retrouver tous les Spider-Bots. Et dès que c'est fait, je vous reprends, on fait la cinématique des Spider-Bots, enfin pour débloquer voilà, la fin, et ensuite on finira le jeu. MJ, faut qu'on se rejoigne tous chez les... Qu'est-ce qui se passe les gars? Le symbiote est arrivé ici dans une météorite. Alors, le dernier il est vers là. Et il s'en sert pour transformer la ville. Je sais où elle se trouve. Et on va la voler. Faut trouver une stratégie. Ça marche. À tout de suite. Après, est-ce que les Spider-Bots sont désactivés vu que la ville est vénomifiée? Ah non, pas du tout. Nickel. Allez hop, un quartier de déjà terminé. Ça c'est bien ça. Au moins j'irai pas faire une coupure. Hop, il est où alors du coup? Il est là. Alors. Oh! C'est un Miles Morales. Dommage, j'aurais aimé voir qu'est-ce qu'il allait dire, Miles, s'il voyait le Spider-Bot. Et je peux pas le choper? Parce qu'il y a des ennemis. Oh purée. Chers auditeurs, je vous en conjure, restez chez vous. Fermez vos portes à double tour. Barricadez-vous à l'intérieur et surtout, ne faites confiance à personne. La ville est envahie de filaments géants qui surgissent de terre et donnent vie à des créatures infernales dont le seul but est de nous capturer et de nous transformer pour prendre notre place. Ne leur laissez pas cette chance. Le gouvernement ne fait rien, mais... mes auditeurs les plus fidèles ont envahi les quorums pour trouver un signe de faiblesse chez ces créatures. Nous allons donc devoir nous défendre nous-mêmes, car nous savons bien que les Spider-Man ne nous seront d'aucune aide. Et si les événements de cette semaine ont prouvé quelque chose, c'est que les héros ne font qu'empirer la situation. Quoi qu'il en soit, chers auditeurs, restez en sécurité. Nous traverserons cette crise ensemble. New York ne se rendra pas sans se battre. Et je serai là, au front, à vos côtés. Bonne chance, et je l'espère, à bientôt. Ok. Ça c'est fait, bon ça va y aller parce que vu qu'ils vont me spot, peut-être ça va être compliqué de le choper. D'où il me voit, lui? Hop. Viens là, toi. Ok, là ça c'est fait. Hop là. C'est peut-être un hasard, mais tu ressembles beaucoup à un copain. Ouais, ah, Spider-Bot Ultimate. Bon voilà, donc là en gros ça. Et non, c'est Miles, mais voilà, c'est Miles Morales dans les comics qui est le Spider-Man Ultimate. Bon, du coup, on a Clean ici. On a Clean ici aussi. Là, tout est récupéré là aussi. Là, il en reste un. Ok. Donc, je vais ici. Je vous coupe la vidéo et je vous reprends juste après. Et en voici à nouveau. Hop. Allez, c'est parti. Oh. Évidemment, sinon, c'est pas drôle. Allez. C'est bon. A plus, a plus. Ça va, je suis... Qui c'est qui me spec encore? Là, je crois que c'est Spider-Girl, là, je crois. Qui est autre que la fille de Peter et de MJ. Qui c'est? À toi. J'adore ce Spider-Bot. En même temps, c'est ta fille, mec. Enfin, si je me trompe pas, normalement, c'est celui qu'on vient d'avoir. Oui, Spider-Bot, regardez-moi les couleurs préférées de mai. Voilà. Ok, du coup, ça c'est fait. Donc, du coup, le haut de New York. Tout est clean. Nickel. Là, c'est nickel. Et là, il m'en reste un aussi. Là, 1 aussi, 0 et 0. Ok, il me reste juste ici.
Allez, c'est parti. J'espère qu'il va se trouver rapidement, hein, parce que sinon, ça va être relou. Est-ce que je peux changer de... Ok, juste pour vérifier. Comme ça au moins, vu que je veux faire la fin de cette mission secondaire avec Miles. C'est que j'ai avec Peter, y a pas vraiment trop d'interaction, on va dire. Parce que voilà, vous vous doutez que ça va être un lien avec Across the Spider-Verse. Vu que ben, Peter, on le voit vite fait dans le film. D'ailleurs, donc j'espère qu'avec Miles ça va être autre chose. Après, bon, il y a juste un petit truc qui me gêne, mais après, c'est le besoin du scénario. C'est que maintenant, bon, on commence à comprendre que voilà, Miles commence vraiment à prendre son rôle, enfin, commence vraiment à devenir vraiment un Spider-Man plus mature qu'il était auparavant. Parce qu'on va dire qu'il est passé par beaucoup d'épreuves dans ce Spider-Man là. Et on se doute que Peter va peut-être commencer à raccrocher un peu le costume. Ça veut pas dire qu'il va arrêter, mais on va dire qu'il... Au cas où si Miles s'est vraiment dépassé, il sera là. Enfin, je le sens comme ça. Bien que ça me dérange vu que j'adore Peter Parker, mais bon. Faut bien laisser passer le flambeau. Pas un flambeau, la flamme olympique, ouais, qui est passée par proximité de ma ville. Je sais pas pour vous d'ailleurs, mais... Voilà quoi. En vrai c'était grave fun, en vrai ça allait, mais... On est tous d'accord les gars que les Jeux Olympiques, hein... Personnellement, moi perso, ça me fait bouger l'une sans faire bouger l'autre, hein, je vous le dis, hein, vraiment. Mais écoutez, après il y en a qui aiment ça, après je critique pas, hein. S'il y en a qui aiment ça, écoutez, ben, tant mieux pour vous, hein, tant mieux. Hein. Kiffez vos passions, faites ce que vous avez à faire. Ah, ben voilà. Hop. Ok. Et qui? Oh, Big Time. Non pas que Big Time. Ouais, Future Foundation. Alors ça n'a rien à voir par rapport à un Peter Parker qui vient du futur, parce que le seul Spider-Man qui vient du futur, grosso modo, et que tout le monde connaît, c'est autre que Miguel O'Hara. Mais là en gros c'est une tenue bah, qu'on a en plus dans le premier jeu. Et en gros c'est une tenue qu'il a confectionnée ou... Enfin, qu'il a confectionné, ou alors que Reed Richards, donc l'homme, Mr. Fantastic, lui a créé à cause du décès de la torche, malheureusement. Et du coup, en gros, ce costume blanc lui permet aussi, en gros, si vous voulez, de... Je sais ce que vous pensez. Avoir son costume rouge et bleu. C'est un programme de science-fiction. Mais c'est ce qui arrive quand la réalité rattrape la fiction. Lorsque j'étais enfant... J'ai lu bien des histoires d'extraterrestres semant la terreur sur notre planète et de héros vertueux, ne reculant devant rien pour la sauver. La morale était on ne peut plus simple et présentée avec extravagance pour nous aider à fuir la monotonie du quotidien. Je donnerai tout pour retrouver aujourd'hui cette monotonie. Je regarde par la fenêtre et je vois une ville en proie à la peur et à la panique. J'entends des cris et des pleurs qui restent sans réponse. Je suis désespéré, démuni face à ce monde déchiré et bientôt contrôlé par des forces venues d'ailleurs. Toutes ces histoires avaient une fin heureuse, mais je crains de ne pas pouvoir en dire autant de la nôtre. Tout ce que je sais, c'est que nous avons besoin d'un héros. Et non, 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 non. Avant que le standard n'explose, je ne parle pas des Spider-Man. Je parle de notre gouvernement. Je parle de nos élus. Ce sont eux qui ont le pouvoir d'agir, et non ces deux guignols. Alors gardez vos costumes pour Halloween ou Carnaval, parce que c'est l'armée. L'armée qu'il nous faut. Je dis la vérité, Jameson, l'armée ne fera rien face à ça. Mais bon, si tu le dis. Alors, où est le nouveau? Par contre, je suis un peu dégoûté parce que vu que Peter était sous symbiote au début du jeu et qu'on a récupéré tous les... Enfin, quelques Spider-Bots, je suis un peu dégoûté qu'il dise pas... Enfin, qu'il n'ait pas dit certains dialogues, ça aurait été rigolo. Alors, où est-ce que tu te caches? En fait, ce que j'aime pas, en fait, c'est que quand c'est au milieu des quartiers... Oh, le repère de Doctor Strange. Je tourne dans la zone, ouais.
que j'aime pas en fait, c'est que voilà quoi, en gros je suis entre deux quartiers et j'arrive pas, et je fais pas trop gaffe quand je change de quartier ou pas. Et la première fois que j'ai fait ça, ça m'est arrivé beaucoup de fois où je me suis dit bah je trouve pas. Et là je regarde ma main, je fais mais en final je suis pas dans le même quartier, merde. Donc du coup voilà. Et des fois ça me fait chier, c'est pour ça que depuis tout à l'heure je regarde la map. Ah purée, il est relou, on n'arrive pas à le trouver. Oui, je grince des dents, ça m'énerve. Sachant en plus que là, il m'en reste combien là? Beaucoup encore, je crois. 7. Comme à la ville. Oh purée de pommes de terre. Ah ben voilà, j'ai changé de quartier. Je vous disais. Mais ça m'énerve, j'arrive pas à le trouver. Écoutez, peut-être sur le son de Spider-Man, peut-être. Super, il dormait. Génial. Bravo, la vie est en bordel sans nom et tu dors, toi. J'entends un truc. Ah, mais c'est toi qui fais du bruit. Oh. Dégoûté. Je pensais avoir trouvé le Spider-Bot, moi. Alors. Il y a même des tatoules qui ont changé. Et voilà, je tombe encore de quartier encore. Allez, je sais que t'es là. Bon, vu que je trouve pas, vous savez quoi, on va changer de quartier, t'as je trouvais mieux ailleurs. Du coup, là-bas, il n'y en a pas du tout. Là-bas, j'ai pas trouvé du tout. Ok, mais c'est parti, on se téléporte. Hop là. Alors, ça, on va falloir grimper là-haut. Ok. Est-ce qu'il y en a pas un qui traîne là? Ok, il y en a un juste devant. Hop là. Oh, c'est lequel celui-là? Mettre un point dessus pour que Peter puisse le récupérer. Hop là. J'allais dire, il n'y a plus de voiture, mais si, il y en a une là. Oh, c'est pas drôle. Hop. Alors là, c'est lequel? Ah, bah c'est Ben Reilly peut-être. Tu viens avec moi, toi. Il y a un mot qui vient en esprit, c'est sensationnel. Spider-Bot sensationnel. Spider-Man. Alors là, j'en ai aucune idée de qui c'est. Pour le coup. Alors là, ne me demandez pas ce que c'est. Sensationnel Spider-Man. What the fuck? J'avoue que là, ça me dit rien du tout. Au niveau du nez, sympa ça. Alors, il m'en reste 2 dans le quartier. Du coup, il m'en reste 6.
Nice. Où es-tu? Juste là. Oh, Mysterio. Tellement mystérieux. Ok, plus que deux. Oh, mais ça s'enchaîne, j'aime bien ça s'enchaîne. Attends. Celui-là me met un peu mal à l'aise. Un peu qui te met mal à l'aise. Superior Spider-Man, est-ce que j'ai besoin d'expliquer qui c'est? 4, ok, plus que 4. Il m'en reste un ici, un de l'autre quartier où j'ai pas trouvé, et probablement de l'autre quartier où je n'ai pas trouvé d'autres. Spider-Man. Quoi? Quartier terminé? Ah oui, merde! Du coup, là, 2 sur 2. Ok, là, il m'en reste un. Ok. D'être dans le Queens. J'ai intérêt à faire gaffe de pas être dans la mission principale. Ce serait con de le. De l'utiliser alors que. On en est là. Vu que le cut, je sais pas comment ça va être au niveau du cut. Je pense que je récupère le dernier que je croise. Je vous coupe. Enfin, je vous couperai. Je vous récupère pour le nouvel épisode. Qui sera probablement le dernier épisode. Et puis voilà quoi. Ok, on y est. Alors, où est-ce qu'il est le dernier? Alors. Peut-être vers là. Allez, quoi, les gars, allez, je suis sûr qu'il est là. Pire, je m'en souviendrai. Ah, j'ai rien dit. Nickel. Allez, plus que 3. Hop. Ok. T'es qui, toi, alors? Hein? C'est quoi, celui-là? Black Cat? Je crois que j'ai trouvé le plus petit voleur du monde. Ah, Black Cat. Pourquoi pas? Il tout blanc avec une tête de chat. Ok, plus que 3. Et deux derniers sont là. Ah non. Ok, bon, il y en a un ici et un là. Donc ce qu'on va faire, c'est que les trois derniers, je vais peut-être me renseigner pour aller plus vite. Comme ça, au moins, j'aurai de quoi faire pour le découvrir. Dès que c'est fait, du coup, je vous reprendrai. Je ferai en sorte que le dernier épisode soit le dernier épisode du Let's Play. Donc voilà. Donc sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. Ça passe vraiment en compagnie. On se retrouve pour de nouveaux épisodes, de nouvelles aventures. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu et de vous abonner. C'est la récompense pour l'épaule. C'est la récompense pour le travail fourni. Je vous souhaite tout le bonheur. Passez une bonne soirée ou journée. Tout dépend à quelle heure de cette vidéo. C'est la Drake. Ciao tout le monde.